Et salut, on est vendredi matin, le temps est très 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 bas, c'est plombé. Je m'apprête à aller chez Action, je vous explique. On part, Eric et moi, au Sable d'Olonne, dimanche, lundi, chez ses parents. Je ne veux pas vous laisser sans vidéo, donc la vidéo que vous êtes en train de regarder, donc il faut que je tourne. Je vais également faire, il faut que je m'avance, donc pour programmer des vidéos, je vais également faire le haul try on Shein des vêtements. Je les ai essayés hier. Oh, c'est de la bombe. J'adore sur les 7 vêtements. Ouais. Il y a peut-être un article qui est un petit peu, on va dire, transparent, donc il faut que je vois comment je gère. Et voilà, le programme est déjà pas mal. Jackie est là, d'ailleurs Jackie ne sera pas tout seul. Quelqu'un sera là pour s'occuper de lui, évidemment. Hein. Il ne peut pas rester tout seul. Arrête de détruire mon tapis. Je file. Eric est parti en. Il fait passer des examens. Voilà, mais il revient vers midi. C'est parti. Tu es tout foufou aujourd'hui. Tu t'énerves. Hein? Qu'est-ce que t'as, mon bébé, ça? Par contre, les ongles, hein, c'est top. Il n'y a pas de retouche à faire. Là, c'est cool. Oh, ils sont en train de refaire toute la façade, tout le buffalo intérieur. Quand je vous parlais du ciel plombé. C'est quoi les ouvertures d'ailleurs? Ah, c'est en non-stop. Ce qui est quand même midi presque là. Alors ça, j'adore. C'est pour faire de l'aquarelle. Mais je suis persuadée que j'aurai pas le temps de le faire. Moi qui adore poser des étagères un peu partout, j'hésitais. Mais ouais, non. J'en ai trouvé une autre. Je vous montrerai en rentrant parce que je pense que en fait, je vais pas faire un haul dédié. Parce que je vais pas prendre grand-chose. Je vais pas acheter pour acheter. Il y a pas grand-chose qui me plaît. Ah, c'est sympa ça. Pour mettre tous les magazines dans les toilettes, éventuellement, ou pas, dans le salon. Combien? 5,27 €. Je les avais vus la dernière fois. C'est des petits sièges pour chambre d'enfant. C'est hyper mignon. C'est un petit peu comme du faux cuir quoi. L'éléphant et on a l'hippopotame. 9,95 €. Ah, ils sont sympas ces chemins de table. C'est joli. 3,69 €. Je cherche des bocaux, mais très très longs, pour mettre notamment des spaghettis, pour tout ranger au niveau des pâtes, à mettre dans des placards, mais j'en trouve pas. Vous voyez, là, il y en a des bocaux, mais non, parce que c'est pas des longs pour mettre des spaghettis, puis c'est plastique, moi je voudrais un petit peu effet en verre, quoi. Ils font le petit coffret joli, hein. Je sais pas ce que ça vaut, c'est vrai que je suis un peu sceptique, moi, à chaque fois, de mettre des cosmétiques comme ça, donc ça, c'est quoi? C'est des nudes, rouge à lèvres, c'est plutôt mignon. Alors, la pêche n'a pas été extraordinairement fructueuse. Je vais vous montrer, j'ai trouvé un seul article. C'est une étagère. Voilà. Ce que j'ai aimé dans cette étagère, c'est le fait que le fond soit blanc parce que je pense que ça va bien faire ressortir. Oui, Jack est là. Non, 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 non. Il veut se frotter à ma perche. Descends. Pardon? Non, 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 tu descends. Ben, fais pas la tête. Donc, je disais, le fond est blanc, ça fait ressortir, notamment si on met des petits végétaux, comme ils ont présenté, c'est plutôt très joli. Je vais mettre des petits cactus, des petits éléments blancs. Et cette étagère m'a coûté 4,95 €. J'ai eu Eric qui m'a appelé parce qu'il est midi 30. Il avait l'air crevé. En même temps, il est parti super tôt. Hein, Il devait être à une cinquantaine de kilomètres à 8 heures là-bas. Donc je vais préparer un petit repas. Il va être tout content. Il aura juste à se mettre les pieds sous la table. Alors j'ai décidé de faire le boudin noir. Pas trop le choix. On est le 7, ça va jusqu'au 7. Je vais couper des petites pommes que je vais faire revenir. J'adore. Et bah, ça se marie très bien. Hein. Je vais faire le petit riz avec. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont écœurées par le boudin noir, moi-même. Je l'étais un moment et bon bah vu que voilà, il fallait que j'en prenne pour faire remonter mon fer.
petit à petit, voilà, je m'y suis faite. J'en mange pas hyper souvent, je ne veux pas non plus partir dans un dégoût, mais de temps en temps, surtout avec des pommes, le riz ou des pâtes, c'est quand même très bon. Il y a Eric qui m'a envoyé un message, tu peux me mettre du coca au frais? Et je crois qu'il en rêve là. J'ai envie de me lancer dans une jolie présentation. Je vais voir si cette méthode fonctionne. Le facteur vient de passer. Regardez, c'est super joli, hein. C'est la linebox. Ah, je vois Eric, attendez. Si vous entendez du bruit, c'est que j'ai fait tourner le lave-vaisselle. Ah, c'est bien. Ça a l'air bon. Hein. Oh là là là. Mais c'est parfait. C'est joli, hein. Ah, ça fait bien. Tu rajoutes une petite sauce crème et tout légère, non? J'aime bien. Je suis en train de préparer mon spot de tournage et je voulais vous montrer quelque chose. Vous vous souvenez de cette étagère que j'ai achetée chez Action? Et ben, j'ai décidé de la mettre là derrière et je vais écrire dressing, mon joli dressing, quelque chose, je trouve que ça peut être sympa. Je suis montée me préparer et je dois dire que c'est assez impressionnant ce qui se passe dehors. Donc. C'est vraiment la tempête. Waouh! Donc voilà, 20 minutes plus tard. C'est... n'y a rien compris. Bon, bref, je suis prête, je vais aller tourner. Voilà. J'ai opté pour la petite chemise parce que c'est beaucoup plus pratique pour clipser le micro-cravate. Sinon, sur les pulls ou autres, ça frotte. Au moins, là, c'est beaucoup plus stable. Allez, j'y vais. Elle est pas un petit peu jaune, l'image, là? Non? Bon. Je suis dégoûtée. Je suis en train de regarder les rushs et on entend des bruits avec mon micro qui frotte. Voilà. Il est quand même 3h53. Je dois tout retourner. C'est bon, j'aurai jamais le temps. Voilà, bah il me reste plus qu'à recommencer. Hein, c'est pas grave. Je vous explique pas, j'ai dû refaire une deuxième fois le tournage et j'ai toujours ce bruit, ça m'agace, pourtant j'ai fait gaffe, j'ai mis mon micro-cravate avec un... Oh, tu pleures. Ah merde, il est 6h39. Oui, je vais te donner à manger. Bref, tout ça pour dire que ma prise était pas top, donc là je suis en train de reprendre piste par piste. Je coupe là où ça fait du bruit, là où ça grésille, bref. Donc, vous l'aurez vu, il n'y avait pas de vidéo hier à cause de ça. Je libère cette pièce, je range en fait tout le matériel et en même temps, j'ai un peu finalisé la customisation de ma petite étagère. J'ai mis donc ce que je vous disais avec les petits stickers comme ça magnétiques. J'ai noté mon coin dressing, c'est pas droit, hein, mais je le fixe. Une fois que ce sera fixé, je le remettrai. Et regardez, j'ai dans l'idée de le positionner là, je vais faire deux petits trous. Je pense que ça sera sympa. Je vous montrerai quand ce sera fait, je pense plutôt dans un prochain vlog. Je vous explique. Il est 8h et Eric m'a dit qu'il y avait un concert de rock pour soutenir, je crois, les handicapés. Enfin, c'est une association. Et il m'a dit, parce qu'il, bah, forcément, il adore le rock, que ça ferait plaisir qu'on y aille. Je crois qu'en plus, il est 8h, je vous ai dit, ouais, je sais plus. J'ai super faim, mais apparemment, il y a de quoi se restaurer justement pour financer aussi cette association. Donc on va aller faire un tour là-bas en même temps. Ça va me faire du bien. Je suis pas sortie ici ce matin, mais dans la voiture pour l'action. Donc voilà. Et parti chercher du liquide pour la buvette. J'espère qu'il y aura buvette. Franchement, ça m'a épuisé cet après-midi de tournage, retournage et retournage parce que ça n'allait pas. Bref. Demain matin, c'est-à-dire que... Bon, on sortira ce vlog. Ah mais attends. Ça veut dire que demain matin, il y aura la vidéo sur le bio. Et demain soir, il y aura le vlog. What's up? Demain, je... Ça, ça m'énerve, ça. Quoi? Mais les gens comme ça qui traînent. Bah, et toi aussi, tu traînes. Il semblerait que ça va dépoter. Il s'agit donc du groupe Folsom. Je suis sortie un petit peu, parce qu'on n'entendait pas trop. Donc en fait, comme je vous disais, donc, tout est tout ce qui est buvette, croque-monsieur, tout est reversé pour qu'ils puissent sortir le single, pour se financer un single en fait, c'est cool. Et ben voilà, t'en as pensé quoi? J'adorais. C'était pas mal, hein? C'est ça que j'adore ce genre de soirée. Il est pas trop tard en plus, il est 10h... Non, il est 10h20 je crois. Par contre, tu peux attendre personne. Ça décoiffe les concerts de rock. On pensait rentrer et au final, bah... Tequila Sunrise. Une tequila Sunrise. Et moi j'ai pris quoi? Pas gros framboise, je l'ai bu super vite, c'est très bon. Allez, go. Il est même pas 23h bébé. Tu regardes le monde qu'il y a, il refuse des gens. Combien
une seconde. Ah bah là. Il est pas content de voir sa maman et son papa. Oui, ma poupée. Bon, il est grand temps pour moi d'aller me coucher. Je suis claquée, il est minuit. Demain, je dois finir le montage. Et je vais demain vous tourner, enfin j'espère que j'aurai le temps, la vidéo Chine. J'ai hâte. Oh, je voulais mettre de l'auto-bronzant pour que ce soit plus joli. Tout va trop tard. Bref, c'est pas grave. Je serai toute blanche. Je vous embrasse et j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Salut.